Salut les amis, c'est Gibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui, on est dimanche, je pars en revisite, je pars pas en visite, je pars en revisite. C'est des clients qui ont déjà visité le bien hier et je leur ai proposé, comme visiblement il leur plaisait, de revenir dimanche matin pour voilà, confirmer si s'ils allaient se positionner ou pas. Et je vous fais une petite vidéo là, donc aujourd'hui là, sur la visite du dimanche. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de conseillers immobiliers. C'est une petite vidéo à la cool là. Vous allez rien apprendre. Je vais pas donner des petits tips immobiliers ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une petite vidéo à la cool. Et je voulais juste vous partager moi ce que je pense de travailler le dimanche en fait. Au-delà de cette vidéo-là sur la visite du dimanche, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler le dimanche. Et en réalité, moi, ça me dérange absolument pas de prendre un, voire deux rendez-vous le dimanche matin. Je précise bien le matin, parce que l'après-midi, c'est quand même en famille. Et en fait, ça me dérange pas pourquoi ? Parce que l'avantage que nous, on a dans notre métier, c'est que dans la semaine, tu vas avoir des moments, ça peut être le mardi, le jeudi, peu importe la journée, où en réalité, tu vas avoir du temps pour toi si tu as envie de te prendre une heure de pause, si tu as envie de faire quelque chose de personnel, on va dire. Donc les gens, des fois, ça les surprend un petit peu là, quand je leur dis « Non, mais moi, le dimanche matin, je prends des rendez-vous. » Déjà, c'est pas toute la matinée, hein, je fais pas non plus 8h jusque 13h. Voilà, il est 11h, c'est la seule revisite que j'ai. Je suis parti de chez moi, j'étais chez moi toute la matinée. Je m'absente pendant une demi-heure de 11h à 11h30 et voilà. En gros, ça me prend pas non plus tout mon dimanche, je suis pas non plus maso. Et même si bon, moi j'aime bien ce que je fais, donc c'est l'avantage. Mais voilà, en gros, la visite du dimanche, je sais pas s'il y a des agents immo qui disent non, mais moi le dimanche je ne travaille surtout pas. Bon, de toute façon, moi par exemple, le mercredi matin, il est dédié à mon fils, à mon plus grand, mon petit deuxième. Pour l'instant, il a pas l'âge de faire du sport, il a eu 4 ans. Mais mon grand, par exemple, tous les mercredis matins, c'est très 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 rare que je prenne des rendez-vous, sauf si vraiment c'est quelque chose qui est sur le feu et qui est bouillant, je me fais remplacer. Mais sinon, je l'accompagne toujours au basket et après il a des petits cours d'anglais, je l'accompagne au basket et à l'anglais. Donc ça me dérange pas de prendre une heure le dimanche matin, puisque tous les mercredis matin je suis avec lui et d'ici l'année prochaine avec les deux, puisqu'à mon avis le deuxième va se démarrer le basket aussi. Donc voilà les amis, en fait c'est juste pour vous dire que le métier de conseiller immobilier, il est super top dans ce sens là, c'est que alors oui, il faut travailler, il n'y a pas de salaire à la fin du mois, donc si tu vends pas à la fin du mois, t'as zéro. Là-dessus, on est d'accord et voilà, de toute façon, il faut te bouger si tu as envie d'avoir des revenus, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, si tu as envie de travailler un peu le dimanche matin, tu peux. Si tu as envie de prendre une demi-journée en pleine semaine, bah tu peux aussi, mais bon, à condition de la rattraper, par exemple, comme là, je suis en train de le faire. Pareil, moi, le samedi matin, hein, ça me dérange absolument pas de prendre des rendez-vous le samedi matin. Aucun problème avec ça puisque voilà, ça allait à midi maximum, j'ai terminé, ça me laisse mon samedi après-midi de libre en général. Donc voilà les copains. C'était simplement pour vous dire un petit peu moi ma manière de fonctionner et mon avis sur le travail du dimanche. Allez, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau. On a du beau soleil. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à des amis, à vous, de la famille qui sera intéressée par le métier de conseiller immobilier. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup hein, à la faire connaître de plus en plus. Donc voilà les amis, allez, bon dimanche à vous, profitez bien. Ciao, ciao !